Cette semaine, un des plus grands champions de canot en Amérique du Nord, un stage en forêt pour réanimer l'esprit d'équipe et le plaisir pur du vol en planeur. Bonjour et bienvenue à Cap Aventure. Dans ma vie, j'ai volé dans bien des avions, des hydravions, des Cessna, des gros porteurs, mais je n'ai jamais eu la chance de goûter à la sensation pure du vol, celle qu'on retrouve en planeur. Laurence Vigeant-Langlois a fait son premier vol à voile à l'âge de 15 ans. À 16 ans, elle faisait son premier vol solo. À 17, elle obtenait sa licence. Et à 19 ans, elle devenait instructrice. Elle a maintenant plus de 350 heures de vol à son actif en planeur. C'est donc avec elle que je vais avoir le plaisir de m'envoler au Montreal Soaring Council, basé à Hawkesbury, en Ontario. Laurence, vous avez fait du planeur pour la première fois avec votre père, vous aviez 15 ans. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? En fait, je suis venue au club de planeur avec mon père. J'ai fait du planeur, c'est un vol de planeur pour la première fois à 15 ans. Et puis, j'avais toujours été intéressée par l'aviation. Et puis, ça répondait à mes attentes, disons. C'était fabuleux. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez assez mordu pour vouloir prendre votre licence et puis même devenir instructrice? J'ai eu la chance, dans le sens que mon père m'a demandé si j'étais intéressée à prendre des leçons. Et puis, en effet, j'étais absolument très intéressée. Et puis, le déroulement logique, ça a été d'aller faire le solo, ensuite aller chercher la licence. Et puis, j'ai continué à piloter des planeurs jusqu'au point d'être qualifié pour voler tous les planeurs du club, là, les monoplaces fibre de verre haute performance. Et puis ensuite, j'ai pris le cours d'instructeur quand j'ai eu assez d'heures. On appelle ça le vol à voile. Pourquoi? Il y a cette analogie entre, si vous voulez, le bateau à voile et le bateau à moteur. Et dans les airs, le vol à voile comparé au vol à moteur. Et puis, donc, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les forces de la nature pour naviguer dans le ciel. Donc, c'est pour ça qu'on appelle le vol à voile. Qu'est-ce que vous aimez de voler en planeur? D'abord, j'aime le défi intellectuel de planifier un vol voyage, par exemple, où on cherche toujours à optimiser les manœuvres de vol en fonction des conditions atmosphériques. L'atterrissage est toujours un défi intéressant, une approche planifiée, bonne approche, un atterrissage. Sinon, c'est un sport qui est assez particulier où on est au-dessus, quelques milliers de pieds au-dessus de la Terre, voir les gens réduits en petites dimensions, disons, et puis une vue incroyable du ciel, de l'horizon, des nuages. Et puis ce silence, cette harmonie avec la nature. On va larguer? Oui. Toujours dans le sens contraire de l'avion remorque? Oui. C'est un défi, c'est toujours un défi de
réussir à rester là-haut et puis d'aller se promener en fonction du vent. Et puis bon, de faire du vol d'onde, du vol de pente, du vol de thermique. Alors là, vous venez d'énoncer trois types de vols. Oui. Le vol de thermique, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est? Tout à fait. En fait, bon, les journées où il y a un petit peu plus de soleil qu'aujourd'hui, le soleil chauffe la Terre de manière différente en fonction des surfaces. Et bon, les surfaces qui absorbent un peu plus de chaleur vont avoir un effet sur l'air ambiant, réchauffer les masses d'air adjacentes. Et cet air qui est plus chaud va chercher à prendre de l'expansion, donc va monter. Et le pilote de planeur, justement, va chercher à rejoindre ces zones d'air qui montent et à rester local, donc prendre des virages là, pour monter avec le thermique. Regardez l'aile. Bien. L'autre vers la gauche? Oh, ça monte, hein? Vous êtes monté jusqu'à quelle altitude, vous? Pas très haut. En fait, j'ai jamais pris d'oxygène avec moi, donc je suis monté jusqu'à 13 000 pieds, là, ce qui est le maximum au Canada. Quand vous dites que vous faites du vol voyage, ça veut dire que vous pouvez partir quoi pendant plusieurs heures avec. Et puis faire une distance là, de plusieurs centaines de kilomètres par exemple. Voler 5 heures et beaucoup plus, hein, 7 heures, 10 heures, ça dépend des conditions en fait. Et bon, évidemment, il ne faut pas revenir après le coucher de soleil trop tard. En fait, c'est une demi-heure après le coucher de soleil à cette latitude. Et puis. Ça ne sert jamais à atterrir, donc c'est toujours en étant dans les airs. Tout à fait. Donc avec un remorquage, réussir à utiliser bon, les courants ascendants et puis planifier une navigation. Donc essayer d'aller chercher des points de virage, par exemple. Et essayer de revenir aussi au point de départ. À quoi est-ce que vous pensez quand vous êtes dans votre avion? Oh, je suis assez occupée par le pilotage même, donc disons que c'est comme une évasion de préoccupations de la vie de tous les jours. Je pense en fait, bon, est-ce que je devrais aller un peu plus à l'ouest ou à l'est en fonction des conditions, par exemple, si je suis en vol voyage. Est-ce que le prochain cumulus est en formation ou en dégradation? Enfin, est-ce que je dois atterrir? Est-ce que je suis un petit peu trop basse là? Et puis je devrais penser à atterrir ou continuer mon vol? Donc c'est constamment là, une réévaluation de la situation. Est-ce que vous pouvez dire que quelque part ça a un effet presque thérapeutique à ce moment-là de faire oublier un peu tout? Ah, c'est sûr que c'est très ravivant, disons, de s'évader, d'aller chercher en fait l'immensité, hein, cette vue d'un ciel immense, comme en bateau en fait sur la mer. J'ai eu la chance de commencer jeune, mais c'est quelque chose que je peux continuer très longtemps en fait, jusqu'après la retraite. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai beaucoup aimé aller en faire avec vous. C'était une belle expérience pour moi. Merci beaucoup, Laurence. Bienvenue. Si ça vous tente d'essayer le planeur, ici à Hawkesbury, comme dans les autres centres à travers le Québec, il vous en coûtera environ 50 $ pour une demi-heure de vol. Attention, vous pourriez peut-être avoir la piqûre. Si vous travaillez en équipe dans un bureau, souvent après la réalisation d'un projet, tout le monde se retrouve à plat et peut-être démotivé. Pour reconstruire cet esprit d'équipe, Challenge Action propose un stage en pleine forêt avec des obstacles à franchir en groupe et, si possible, dans la bonne humeur.
Serge Ferrand a suivi pendant une journée une équipe de conseillers en informatique, en plein travail. L'équipe ici, c'est principalement une équipe informatique, des gens qui travaillent dans un environnement intérieur, qui n'ont pas à sortir de l'environnement. Donc, travaillent au 28e étage, au centre-ville de Montréal. Et donc, pour faire un peu contraste avec une activité de formation, on a décidé de faire une activité extérieure. Ça fait deux cercles! Mélangez vos mains un petit peu. On ne sait pas qui pèse les autres. Où ma main? OK. Bon, on arrête de mélanger. Puis là, vous allez prendre des poignées de main. Des poignées de main. Juste pour voir si c'est correct, on va faire, en chinois, ça s'appelle le squeeze test. Alors, toi... Qu'est-ce qu'on squeeze, là? Alors, en fait, on a un ensemble d'exercices où on les fait passer parmi un certain nombre d'étapes. La première des choses qu'on dit pour qu'un groupe et qu'une équipe fonctionne bien, il faut qu'ils aient du plaisir à être ensemble. Donc, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on les amène finalement à faire des exercices dits brise-glace, où ils prennent du plaisir finalement à être ensemble. Vous allez défaire le nœud. On commence la journée avec des exercices où les gens finalement apprennent à se toucher, à être ensemble, à avoir du plaisir à être ensemble et à résoudre des problèmes ensemble. Et effectivement, on voit que ça marche, les gens s'amusent beaucoup, rient beaucoup. Mais en même temps, c'est un exercice où on voit déjà les leaders qui ressortent, les gens qui suivent, qui ne disent rien, qui suivent les solutions des autres. Tout le monde lève les mains en même temps, puis lui, il va vraiment avoir le feeling de l'inviter. Ça va être seul. Okay? Faut pas le faire vomir, là. On fait juste une petite pression. OK, on se concentre. On est capable! Si a priori on arrive en pensant un tel ou un tel, c'est le problème, c'est sûr que en quelque part le groupe puis la personne va le sentir. Puis en partie ça va fausser la journée. Alors nous on essaie d'arriver un petit peu comme une page blanche, puis de s'imprégner du moment présent. Puis de vivre avec ce qui se passe, parce que peut-être que la personne qui a été vue comme le problème, c'est pas vraiment elle le problème. Ceux qui sont en dernier, c'est votre rôle de voir que la personne est bien alignée, qu'elle va tomber à bonne place. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un exercice de confiance, et c'est ce qu'on appelle la variante patronale. La variante patronale, on prend le directeur de l'équipe et on teste, pourrait-on dire, la confiance, ou du moins on lui donne l'expérience de faire confiance à son équipe. C'est-à-dire qu'on va lui demander de monter sur le rocher, tout seul. On va lui demander ensuite de se retourner, il va voir qu'il n'y a absolument personne. En fait, tout le monde est parti se cacher. Ensuite, on va lui demander de fermer les yeux, de croiser les bras, d'attendre dans le silence. Et au moment où on va lui serrer le mollet, on va lui dire de tomber au moment où on va lui serrer le mollet. En fait, toute l'équipe, bien entendu, sera venue et sera là pour la récupérer. Mais petit exercice qui est assez amusant. Là, tranquillement, tu vas te préparer à sauter en plaçant nos mains comme on l'a devenu tantôt. Non, comme ça. Attends, comme le pote. Je suis pas capable. C'est ça. C'est juste comme ça. C'est comme ça. Oui. C'est ça. Puis éventuellement, il y a une personne qui va te serrer le mollet. Ouais. Ça va être ton signal qu'il faut que tu descendes. Mais là, c'est pas encore le temps, là, mais quand ça sera le temps. Faut que tu sois bien solide. C'est ça. Là, c'est ça, c'est important que tu gardes tes fesses dures puis un bon moral. Surtout. C'est ça. T'aimes-tu ça, ta job, serrer mon chabot? Bon, on vient de me serrer le mollet. Ah, ben c'est plate. Hein? Fait que là, je me laisse tomber. Oui, c'est ça. J'ai confiance en mon équipe! Dans la journée, t'as une séquence. Comme on a pu voir, il y a vraiment un crescendo. On commence le matin avec des jeux juste pour que les gens s'habituent à se toucher. Après ça, on monte avec les jeux de confiance. Puis après, on embarque avec des jeux comme la toile d'araignée où les gens doivent vraiment commencer à s'organiser en tant que groupe. Puis dans le fond, c'est à ça qu'on veut arriver. On veut que les gens, à la fin de la journée, soient mieux outillés pour travailler en tant qu'équipe. Oh, d'accord, les gars. Hey! 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 Hey!
chacun des exercices qu'on va leur donner ici est infaisable individuellement, mais réalisable en équipe. Comme je le disais tout à l'heure, c'est très facile de le dire, mais c'est beaucoup plus efficace quand les gens le réalisent par eux-mêmes. Il est important d'avoir une planification globale. Le zéro défaut du premier coup, quand on fait quelque chose pour la première fois, je ne l'ai jamais vu. Je sais qu'il y en a qui le prêchent, mais je ne l'ai jamais vu. Par contre, la planification globale, ce qui est important, c'est qu'elle soit souple. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous puissiez vous arrêter comme vous avez fait, puis qu'on se dise, bien tiens, peut-être qu'on pourrait changer les choses. C'est ça qui est bien important. Et c'est ce que vous avez fait, c'est ce qui vous a permis de réussir. Vas-y. Il y a une chose qui est fondamentale, c'est que dans une entreprise, effectivement, il faut travailler en équipe. C'est un groupe qui a énormément de questions puisque c'est un groupe de services informatiques auxquels ils peuvent quelquefois répondre et pas forcément toujours répondre. Ils doivent donc utiliser l'équipe comme appui. Le problème, c'est qu'il y a deux choses dans une équipe qui sont très importantes. C'est savoir donner de l'aide et savoir également recevoir de l'aide. Donner de l'aide, d'une certaine manière, c'est important, mais ce n'est pas très difficile. En donnant de l'aide, on prend un certain pouvoir sur la personne qui reçoit de l'aide. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile en forêt comme chez eux, c'est d'accepter de recevoir de l'aide, ou même encore plus, d'accepter de demander de l'aide. En fait, qu'est-ce que demande l'entreprise ? L'entreprise demande des résultats, d'une part, mais pour qu'elle ait des résultats, il faut également qu'elle s'occupe de ses individus. Ces individus, c'est quoi ? Sa force, c'est le travail en équipe. Sinon, il n'y aurait pas d'entreprise, il y aurait atomisation. Donc, ce que recherche l'entreprise, finalement, c'est que les résultats soient là, avec des gens qui soient heureux avec l'intérieur de l'entreprise. Autre chose de fondamental également, c'est que les équipes qui ont du plaisir à être ensemble fournissent de meilleurs résultats que les équipes qui n'ont pas de plaisir à être ensemble. Donc tout le monde est gagnant, aussi bien le client que l'entreprise que les participants. On applaudit Nancy. Dans notre prochain reportage, Eddie Verbeck nous fait rencontrer un des meilleurs canotiers en Amérique du Nord. En effet, Serge Corbin gagne à peu près tout ce qui se fait comme compétition au Canada et aux États-Unis depuis plus de 20 ans, ce qui lui permet aussi de vivre de son sport. Malheureusement, c'est un athlète bien méconnu, sans doute parce que le type de canot qu'il pratique n'est pas une discipline olympique. Ça nous fait donc plaisir de vous le présenter. On était élevé ici sur le bord du Saint-Maurice. Moi, j'étais au Cap de Madeleine. On a été élevé complètement sur le bord de l'eau. On a joué dans l'eau dans le Saint-Maurice. Fait que c'est sûr que c'est quasiment une partie de nous autres, la rivière Saint-Maurice. Puis c'est le fun de voir qu'il y a des développements pour l'améliorer. C'est sûr que ça s'en allait à un moment donné. Là, c'était tellement pollué. Puis la pitoune, puis les industries alentour là, qui déversaient le produit chimique. Depuis qu'on a arrêté un peu le flottage du bois, ça change beaucoup. L'eau est moins polluée. Ici, on voit, c'est plus facile de voir le fond de la rivière quand il y a 3 ou 4 pieds d'eau. Avant ça, tu ne voyais pas, là, l'eau était foncée, puis beaucoup de résine de bois, je pense, dans l'eau. C'est pas mal plus beau à voir, plus le fun pour nous autres aussi. Saint-Maurice devient plus grand, plus gros, puis plus beau. Cela fait près de 30 ans que Serge Corbin fait du canot de compétition. 30 ans aussi qu'il parcourt la rivière Saint-Maurice. Il en connaît tous les méandres et les moindres petits rapides qui lui feront gagner quelques secondes sur ses adversaires lors des courses. En fait, il l'apprécie parce qu'elle est variée dans sa beauté. Je suis sûr que tout le long de la Tuque à grand-mère, je crois qu'il y a des beaux... réellement des belles images à prendre là pour les gens qui suivent ça avec les montagnes en arrière. Il y avait l'ancienne étape qui était la troisième étape au Rapide des Forges. Je crois que c'était spectaculaire pour tous les gens qui pouvaient aller voir dans le Rapide des Forges. Il y avait beaucoup de vagues. Dans le portage, d'être très, très prudent lorsque les Canadiens vont passer. La classique internationale de canot de la Mauricie est sans doute la plus exigeante et la plus connue de toutes les courses de canot C2 en Amérique du Nord. Avec plus de 180 km en 3 jours à parcourir sur la rivière Saint-Maurice, il faut être un athlète complet pour se rendre au fil d'arrivée. Serge Corbin, lui, cumule les victoires de façon presque rituelle.
L'année passée, j'ai eu 20 victoires, puis ça fait un gros vélo parce que je pensais jamais de me rendre là, mais ça fait un chiffre rond pour moi parce que j'ai eu mes 40 ans. J'ai eu 20 victoires. J'ai eu 20 victoires aussi à Cooperstown, New York, toute la même année. Ça fait que pour moi, là, c'était une grosse année l'année passée, puis je suis très fier de ma saison. C'est son frère Claude qui l'a initié au canot de compétition vers la fin des années 60. À cette époque, Serge est encore un adolescent. Au tout début, quand j'ai commencé avec mon frère, il avait déjà remporté un ou deux classiques. Puis tout de suite, quand j'embarquais avec, mais j'embarquais avec un gagnant de la classique. Puis je pense que j'ai eu un bon professeur aussi, puis ça a monté assez vite. On a commencé à faire des petites compétitions qui n'étaient pas réellement comme la classique, mais on avait remporté les petites compétitions. Puis je pense que mon frère a trouvé que j'avais un potentiel pour être un bon canotier. À un moment donné, mais Claude a eu un partenaire qui demeurait à Mont-Laurier. Puis dans ce temps-là, on n'avait pas les canots C1, une place pour pouvoir s'entraîner. Fait qu'on prenait un canot C2, puis ils mettaient toujours du poids en arrière, des roches, ou on appelle la fameuse pitoune, on en mettait en arrière. Puis à un moment donné, Claude m'a demandé, ça te tente-tu de venir avec moi s'entraîner juste pour mettre du poids dans le canot? Puis ça a commencé comme ça. Je pense que la passion du canot, c'est mon frère qui m'a amené à faire du canot. Après 8 classiques, Claude Corbin a dû abandonner la compétition à cause de maux de dos. Mais Serge a pris la relève, comme s'il ne voulait pas que leur nom s'efface des trophées les plus prestigieux. Depuis, il passe tous ses étés à l'entraînement. 300 heures sur l'eau par saison, plus des exercices complémentaires. C'est sûr, quand on fait du canot, on n'a pas réellement beaucoup de temps à faire d'autres choses durant l'été. On est toujours stressé avec notre entraînement. Il faut toujours être en condition. Il y a des courses assez régulièrement. Fait que faut toujours garder notre condition. C'est un sport complet. Faut s'entraîner. L'hiver, moi, je pratique le ski de fond. On fait de la musculation. L'été, mais faut faire de la course à pied pour nos portages. Faut pratiquer beaucoup le haut du corps aussi pour être un bon canotier. Des canots très légers, c'est des canots de 25 à 30 livres. C'est sûr que pour nous autres, c'est des Formule 1, c'est très mince. Tu laisses pas traîner ça sur le gazon, puis s'il y a un coup de vent qui arrive, il part, puis ça part avec le vent. C'est très léger. Serge Corbin est l'une des rares personnes au Canada à pouvoir vivre du canot. En additionnant le fruit de ses victoires et la fabrication de canots de compétition, il se fait un revenu convenable. Je fabrique des canots, puis je fais la compétition de canots, puis aussi je fais la distribution de Pagay Zevral, une compagnie de New York. Maintenant, on prend le graphite avec Spectra, ce qui est les gros produits maintenant qu'on utilise dans le canot. La particularité, c'est quoi? Ben, le graphite, c'est une fibre qui est rigide, puis elle est facile aussi à réparer. Si on brise notre canot sur une roche ou quelque chose, on sort, puis ça sort mieux que du Kevlar. Les quelques moments de loisirs qui lui restent, il les passe dehors. Le cocooning et la télévision, c'est pour l'hiver. J'aime trop la nature pour ça. J'aime la pêche, la chasse, puis j'aime la nature, voir les animaux, puis l'eau, voir différentes places. Des fois, on peut aller s'entraîner dans le parc national. On peut voir un orignal en plein été ou t'as tout le temps des petites choses qui sont fun à voir. On aime faire du plein air, puis c'est le fun d'être à l'extérieur. J'aimerais bien ça en faire pour mon plaisir à un moment donné si j'arrête de faire de la compétition intensive, mais si on regarde un petit peu les anciens canotiers comme Erwin Peterson, Eugene Jensen, ça pagait encore quand ils peuvent en faire. Fait que j'aimerais ça faire comme eux autres. Alors, autant dire que Serge Corbin n'accrochera pas ses avirons de compétition de sitôt. Les vétérans Peterson et Jensen ont 70 ans passés et leurs noms figurent encore parfois lors des courses d'aujourd'hui.
Saint-Exupéry a écrit dans son livre « Terre des hommes », l'expérience nous montre qu'aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Je vous remercie d'avoir été là. À la semaine prochaine. Ciao! Vous pouvez nous écrire par la poste à Cap-Aventure 465 rue McGill, Montréal, Québec ou par courrier électronique aux adresses qui apparaissent à l'écran.